Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir ce que l'on appelle intervalle de fluctuation et comment les calculer en utilisant votre calculatrice. Alors commençons par cette définition où on nous dit qu'une épreuve de Bernoulli, c'est une expérience aléatoire à deux issues, donc deux résultats possibles, un succès ou un échec. Pour simuler une telle expérience en Python, je vais définir la fonction x bernoulli, donc x pour loi donc la loi de Bernoulli avec comme paramètre P, qui va être la probabilité d'avoir un succès. Par exemple, pour une pièce qui est bien équilibrée, P vaut 0,5, donc une chance sur deux. Et la fonction va retourner random inférieur à P. Donc si je teste cette fonction, par exemple sur la NumWorks, je définis un nouveau script que je vais appeler simule, je tape mon code. Et je lance le programme. Alors, par exemple, simulons le lancer d'une pièce de monnaie équilibrée. Donc, X Bernouilli avec comme paramètre 0,5. Donc, il va me répondre vrai ou faux, sous-entendu pile ou face, avec 50% de chance d'avoir vrai et 50% de chance d'avoir faux. Si je change le paramètre et que je mets par exemple 0,9, je vais obtenir beaucoup plus de valeurs vraies que de valeurs fausses. Lorsque l'on répète n fois une épreuve de Bernoulli de façon identique et indépendante, on dit que l'on a un schéma de Bernoulli de taille n. Par exemple, lancer 10 fois une pièce de monnaie de façon identique et indépendante. Et enfin, en partant d'un schéma de Bernoulli, on va répéter n fois une épreuve de Bernoulli qui a une probabilité p de succès. On va s'intéresser à la variable aléatoire qui va donner le nombre de succès. Donc ce nombre de succès peut aller de 0, donc aucun succès, jusqu'à n. La loi de cette variable aléatoire est ce que l'on appelle une loi binomiale de paramètres n et p, et va se noter bnp. Donc avec ce programme, on obtient vrai ou faux, vrai ou faux. Avec une probabilité p et faux avec une probabilité 1-p. Vrai en python correspond à 1 et faux correspond à 0. Donc si je m'intéresse au nombre de succès après n répétitions d'épreuves de Bernoulli, il suffit de faire la somme de ces valeurs-là. Donc on peut simuler une loi binomiale de paramètres np en faisant la somme de n épreuves de Bernoulli de paramètres p. Alors pour mieux se fixer les idées, regardons cet exemple concret. On nous dit quand Munir va faire ses courses, il prévoit toujours la même liste de 50 articles. Chaque article, indépendamment les uns des autres, a la probabilité de 0,63 d'être en rayon. Donc pour chacun des articles, il a 63% de chance que cet article soit disponible dans le magasin. Si on note grand X, la variable aléatoire qui va donner le nombre d'articles qu'il trouvera. X suit une loi binomiale de paramètres n égale 50 et p égale à 0,63. Pourquoi Parce que pour chaque article, il va être disponible ou non disponible, donc on aura un succès ou un échec, avec une probabilité de succès de 0,63. Et on répète cette expérience 50 fois. Donc on a un schéma de Bernoulli et le nombre de succès pour un schéma de Bernoulli, c'est une loi binomiale. Si on veut faire une simulation, c'est-à-dire je vais dans le magasin, je cherche mes 50 articles et pour chacun d'eux j'ai 63% de chance de le trouver, il suffit de taper x binomiale avec comme paramètres 50 et 0,63. On obtient par exemple 29, c'est-à-dire qu'il a trouvé 29 des 50 articles qu'il était venu chercher. Si on refait une expérience, on peut obtenir 31, 26, etc. Alors maintenant, comment calculer la probabilité qu'il repartent avec exactement 30 articles Alors on ne va pas le faire par simulation, mais par le calcul exact. Donc la formule qui permet de trouver quelle est la probabilité que x soit égal à k quand x suit une loi binomiale de paramètres np est donnée par cette écriture. Alors on va voir que sur la calculatrice, cette fonctionnalité est déjà intégrée. Mais pour commencer, écrivons cette formule lorsque k est égal à 30, n est égal à 50 et p est égal à 0,63. C'est donc le nombre de combinaisons de 30 éléments parmi 50, fois 0,63 puissance 30, fois 1 moins 0,63, c'est-à-dire 0,37, puissance 50 moins 30, qui est égal à 20. Alors je vais le faire par exemple sur une Casio Graph 35. Donc pour calculer le nombre de combinaisons, on va dans Options, Proba, et vous avez Ncr. Donc je vais taper 50, Ncr 30, multiplié par 0,63 à la puissance 30. Je me décale, multiplié par 0,37 à la puissance 20. Exécute, et je trouve 0,63. 1041. Alors, voyons comment on peut faire ce calcul plus simplement sur vos calculatrices. Alors je vais commencer par la Numworks. Donc je vais dans Accueil, Probabilité. Je vais choisir une loi binomiale qui a comme paramètre 50, les 50 articles qu'il veut acheter. Et chaque article a une probabilité de succès de 63%. Suivant. Et là, je veux une valeur précise qui est obtenir 30 articles. Donc je choisis cette icône et il va me calculer la probabilité pour que x soit égal à une certaine valeur avec les paramètres np du dessus. Donc si je tape 30, je retrouve 0,1041. Avec les TI-83 ou TI-82 statistiques, on va aller dans Distribution on va choisir Binôme FDP, D pour densité. Donc il va nous ouvrir ce petit formulaire où il nous demande le nombre d'essais, donc nous c'est 50, pour chaque article on essaie de l'acheter, et on a une probabilité de 0,63 de réussir à acheter cet article. On veut trouver quelle est la probabilité d'obtenir exactement 30 articles, on lui demande de le calculer, et à nouveau on retrouve 10,41%. Enfin, sur les casio, 35 ou 90, vous pouvez aller dans menu, statistiques, distribution, donc F5, binomial et choisissez BPD. Donc pour data, mettez bien var, ce qui va permettre de choisir la valeur qui nous intéresse. Donc nous on cherche à avoir exactement 30 articles. Le nombre d'essais c'est 50 et la probabilité de succès 0,63. Exécuter. Et à nouveau, on retrouve 10,41%. Alors maintenant, quelle est la probabilité qu'il reparte avec 45 articles ou moins C'est-à-dire entre 0 et 45 articles. Alors on peut le faire, j'ai toujours ma loi binomiale de paramètres 50 et 0,63. Je veux la probabilité que grand X soit inférieur à une certaine valeur. Donc si je tape 45, je retrouve pratiquement 100%. Si maintenant je me demande quelle est la probabilité qu'il reparte avec 30 articles ou moins, cette fois-ci la probabilité sera d'environ 38%. Donc connaissant un nombre d'articles, j'arrive à en déduire la probabilité correspondante. Maintenant ce que l'on va faire c'est l'inverse, et c'est ça que l'on appelle un intervalle de fluctuation, c'est connaissant la probabilité qui est là, quelle valeur on doit mettre ici Dit autrement, quelle valeur que je vais noter B doit-on choisir entre 0 et 50 pour que la probabilité que x soit plus petite que b, donc que l'on achète B articles ou moins, que cette probabilité soit supérieure à 95%, donc que l'air corresponde à au moins 95%. Donc on voit ici qu'on était à 99,99%, ,99%, donc c'était trop pour 45%. Par contre, pour 30, ce n'était pas assez. Donc on doit être quelque part entre 30 et 45. Alors bien entendu, pour 99,99%, ,99%, on est au-dessus de 95%. Et ce qui nous intéresse, c'est quelle est la plus petite valeur où ça va dépasser 95%. Il s'agit donc de trouver B minimal, telle que la probabilité que x soit plus petit que b soit supérieure à 0,95. Alors sur la NumWorks, vous choisissez cette première icône c'est à dire probabilité que x soit inférieur à une certaine valeur et du côté droit on va imposer 0,95 donc il nous répond x inférieur ou égal à 37 donc la probabilité que l'on reparte avec 37 articles ou moins vaut 0,96 qui est une valeur supérieure à 95% et si on avait choisi 36 on tombe à 93%, c'est-à-dire une valeur inférieure aux 95% qu'on s'était imposés. Alors de la même façon, si on cherche la probabilité qu'il repartent avec 26 articles ou moins, donc, probabilité que x soit inférieur ou égal à 26, on obtient 7,3%. Ça veut dire que la probabilité qu'il repartent avec plus que 26 articles est de 92,7%. Probabilité qu'il reparte avec 25 articles ou moins, on obtient 4,1%. Et donc il a 95,9% de chance de repartir avec 26 articles ou plus. Donc au lieu de donner le nombre d'articles et d'en déduire la probabilité, on peut faire l'inverse en s'imposant une probabilité et en trouvant le nombre d'articles correspondants. Alors, plus précisément, on va rester avec 95% et on se demande quelle valeur de A on doit choisir entre 0 et 50 pour que la probabilité que l'on achète plus de A articles soit égale à ce 95%. Donc, ça signifie que ce qu'il reste à gauche, donc la probabilité que X soit strictement plus petit que A, doit être inférieure à 0,05 pour que l'on ait bien les 95% restants, à droite. Donc on cherche, avec une probabilité de 95%, la valeur de A pour qu'il reparte avec A article ou plus. Ce qui revient à trouver A toujours minimal, telle que la probabilité que X soit inférieur ou égal à 1 soit strictement plus grand que 0,05. Donc on arrive à la définition des intervalles de fluctuation. Donc on reste toujours ici dans le cas d'une variable aléatoire x qui suit une loi binomiale de paramètres np, et on va prendre un réel entre 0 et 1. Donc un intervalle ab est un intervalle de fluctuation si la probabilité que x soit dans cet intervalle, donc entre a et b, est supérieure à 1 moins alpha. Donc on dit qu'on a un intervalle de fluctuation au seuil 1 alpha ou au risque alpha. Donc dans la pratique, on prend souvent alpha égal à 0,05, donc au risque 0,05 ou alpha est égal à 0,01. Dans ce cas-là, 1 alpha va correspondre à 0,95 pour celui-ci et 0,99 pour l'autre. Donc on cherche un intervalle tel que la probabilité d'être dans cet intervalle soit supérieur à 95% ou 99%. Les intervalles de fluctuation les plus utilisés sont ceux à gauche, à droite et centrés. Donc pour l'intervalle de fluctuation à gauche, donc au seuil de 1 moins alpha, on cherche la probabilité que x soit plus petit qu'un certain b et que cette probabilité soit supérieure par exemple à 95%. B étant un entier le plus petit possible. On a la même chose avec un intervalle de fluctuation à droite, c'est-à-dire un intervalle du type de A jusqu'à N. Donc, bien entendu, on va voir comment on fait tout ça avec la calculatrice. Et dernier cas, intervalle AB centré, on dit aussi bilatéral, avec la probabilité que X soit plus petit que A, qui doit être plus grande que alpha sur 2 et probabilité que x soit inférieur à b, plus grande que 1 moins alpha sur 2. Alors voyons concrètement comment on va déterminer ces intervalles de fluctuation avec la calculatrice. Donc je vais commencer par la NumWorks. Donc on a une variable aléatoire grand x qui suit une loi binomiale de paramètres 50 et 0,63. Déterminer le plus petit intervalle de fluctuation au seuil de 95%, associé à x de la forme 0, B, c'est-à-dire un intervalle de fluctuation à gauche. Donc il s'agit de trouver le plus petit entier B tel que la probabilité que X soit inférieur à B soit supérieure à 0,95. Donc je vais dans probabilité, je choisis la loi binomiale, je tape 50 et 0,63. Donc on cherche quelle valeur on doit mettre ici pour que cette probabilité soit supérieur à 0,95. Donc je tape 0,95 et il me dit qu'il faut mettre 37. Donc la probabilité que l'on reparte du supermarché avec 37 articles ou moins est de 96,3 qui est bien une valeur plus grande que 95 Si maintenant je mets 36, je vois que j'ai une valeur inférieure à 95 Donc le B que je cherche est bien 37. Conclusion, l'intervalle de fluctuation que l'on cherche au seuil de 95% est 0 à 37. On peut le faire d'une autre façon en utilisant par exemple les suites. Donc vous faites ajouter une suite, une suite explicite, et vous allez rechercher dans la boîte à outils, probabilité, loi de probabilité, binomiale, et on va retrouver la probabilité que x soit inférieur à une certaine valeur. Donc on voit l'ordre, on mettra le 50 et le 063 et ici la valeur que l'on cherche. Donc la valeur que l'on cherche, on utilise n j'ai une loi binomiale de paramètre 50 et la probabilité de succès est de 063. On va afficher les valeurs. Donc je vais dans tableau ou afficher les valeurs. Donc là, il commence à me proposer 0, 1, 2, 3. Je peux même régler l'intervalle. Donc le début, c'est bien 0, c'est-à-dire que je peux repartir du supermarché avec 0 articles jusqu'à 50 articles. Et on va aller de 1 en 1. Valider. Donc si je prends par exemple la valeur qui est ici, 23, il me dit que la probabilité que je reparte avec 23 articles ou moins est d'environ 1%. Or, moi, je veux que cette probabilité dépasse 95%. Donc là, je suis à 27%, 61%, 93%, donc je n'ai toujours pas dépassé mes 95%, et on retrouve bien le 37%. Donc il faut prendre B égale à 37 pour dépasser 95%. Question 2, déterminer un intervalle de fluctuation centré au seuil de 95%. Concrètement, la somme de toutes ces probabilités, c'est 1, c'est-à-dire 100%. Je veux en enlever 95%, donc il va m'en rester 5%, et ces 5%, je veux les répartir à gauche et à droite, c'est-à-dire 2,5% du côté gauche, 2,5% du côté droit. Donc on est bien en train de chercher une valeur à gauche qui doit être plus grande que 2,5%, et pour la valeur à droite, si on fait 100% moins 2,5%, on obtient 97,5%. Donc sur la NumWorks, on va tout simplement taper 0,025. Donc il nous dit qu'il faut prendre 25. Si vous mettez 24, vous êtes en dessous des 2,5%. Donc c'est bien 25. Et si je mets 0,975, il me répond 38. Donc on a bien dépassé les 97,5%. Si je mettais 37, vous voyez que je n'ai pas encore dépassé 97,5%. Donc l'intervalle de fluctuation centré que l'on cherche au seuil de 95% est l'intervalle qui va de 25 jusqu'à 38. Alors effectuons ce même calcul avec les TI 83 ou 82. Commençons par la première question déterminer l'intervalle de fluctuation à gauche, donc de la forme 0B, au seuil de 95%. On cherche donc petit b tel que la probabilité que x soit inférieur ou égal à b dépasse 0,95. Alors vous allez dans distribution et vous choisissez inverse binomial. Donc on veut que l'air fasse au moins 95 sachant que les paramètres de notre loi binomiale sont 50 et 0,63. On exécute et on trouve 37. Donc ça signifie que la probabilité d'acheter 37 articles ou moins est supérieure ou égale à 0,95. Alors là, on n'est pas spécialement convaincu. Donc une première technique pour vérifier que c'est vrai, on va aller dans distribution. On va choisir binôme fonction de répartition, toujours avec les paramètres 50 et 0.63. Donc vous pouvez taper tout simplement .63. Et on va remettre la valeur 37. Exécute. Donc la probabilité d'acheter 37 articles ou moins est de 96,3%, qui est bien une valeur supérieure à 95%. Si maintenant je change le 37 et que je mets 36, on voit que l'on n'a pas encore dépassé les 95%. Donc la bonne réponse est bien 37. Conclusion, l'intervalle de fluctuation à gauche au seuil de 95% est 0 jusqu'à 37. Autre façon de procéder, ça va être d'utiliser un tableau de valeurs. Donc, on va aller dans les fonctions et on va lui demander à afficher donc toujours la fonction de répartition, 50 essais, probabilité de succès, et ici on va mettre X pour pouvoir le faire varier. Ensuite, on va régler la table, donc seconde définir la table, qui va débuter à 0 et aller de 1 en 1. Et c'est bien auto et auto. Et enfin, on demande à afficher la table. Donc on obtient ces valeurs. Et par exemple, la probabilité d'acheter 27 articles ou moins est de 12,14%. Donc nous, on veut que cette probabilité dépasse 95%. Donc ce n'est pas le cas pour 36, mais c'est bien le cas pour 37. On retrouve l'intervalle 0 jusqu'à 37. Pour la deuxième question, où on doit trouver A et B, vérifiant ces deux inégalités qui correspondent à 5% que l'on a divisé en deux, donc le 2,5% qui est là, et 100% moins 2,5%. Soit vous le faites en utilisant la table de valeur, donc il faut chercher x tel que l'on dépasse 2,5%, donc 0,025. Donc là ce n'est pas le cas, c'est le cas à partir de x égale à 25. On a donc la valeur de petit a, et pour la valeur de petit b, il faut dépasser 97,5, c'est-à-dire b égale à 38. L'autre solution est d'utiliser à nouveau inverse binomial. L'air, je vais mettre 0,025, 50 et 0, .63. Je retrouve le 25, je peux reprendre la ligne et taper cette fois-ci 0,975. J'ai bien le 38. Et si je veux être convaincu, j'utilise binôme fonction de répartition. En mettant 24, je vois que je n'ai pas dépassé 2,5%. Et en mettant 25, j'ai bien dépassé les 2,5% puisque je suis à 4,1%. Conclusion, l'intervalle de fluctuation centré au seuil de 95% est l'intervalle 25-38. Pour les casio, 35 ou 90. Le plus confortable est d'aller dans le menu Stat, Distribution, Binomiale et Inverse, Binomiale. Pour Data, choisissez bien Variable et non pas Liste. L'Air, je veux au moins 95%, 50 tirages, 0,63 comme probabilité de succès. J'exécute et il me répond 37. Si je veux être convaincu du résultat, je retourne dans distribution binomiale. Je choisis BCD, donc C pour cumuler, qui correspond à la fonction de répartition. Toujours variable. Je tape 37 pour x, 50 et 0,63. Et il me dit que la probabilité que grand x soit inférieur ou égal à 37 est de 96,3%. Donc ça dépasse bien 95%. Et si je mets 36 j'obtiens 93,1 qui est plus petit que 95 L'intervalle que l'on cherche est donc bien 0 jusqu'à 37. Autre façon de procéder sur la Casio est d'utiliser le menu table, donc menu table et comme fonction, vous allez dans options, stat, distribution, binomial et vous choisissez à nouveau BCD. Vous avez exactement la même chose sur la graph 90, à part qu'elle est en couleur. Premier paramètre, x qui va varier. Deuxième paramètre, les 50 tirages. Dernier paramètre, la probabilité de succès. Exécute. On va définir la table avec 7. Donc au minimum, on repart avec 0 articles. Au maximum, avec les 50 articles. Et on va aller de 1 en 1. Et enfin, on demande à afficher la table. Donc on a les différentes valeurs. Et on voit que pour 36... On n'est qu'à 93%. Et pour 37, on vient de dépasser les 95%. L'intervalle de fluctuation à gauche est donc 0 jusqu'à 37. Pour la deuxième question, soit on lit les valeurs ici. Donc on cherche petit a le plus petit possible tel que cette probabilité dépasse 0,025. On voit que c'est vrai pour 25. Et ensuite on cherche b le plus petit possible tel que la probabilité dépasse. 0,975 donc la valeur va être 38 conclusion l'intervalle va de 25 à 38 ou si vous préférez vous allez dans le menu run donc je vais tout effacer et on va utiliser la fonction donc qui est dans statistiques distribution binomiale inverse binomiale on veut dépasser 0,025 sachant qu'on a une loi binomiale de paramètres 50 avec comme succès 0,63. On retrouve le 25. On va changer le 0,025 en 0,975. On retrouve le 38. Si vous voulez conserver les deux valeurs, vous vous mettez sur l'expression précédente, vous choisissez clip, copie, vous, vous mettez en dessous et vous collez. Donc paste. Et comme ça, vous pouvez avoir le petit a et le petit b. Et pour vérifier que ces valeurs sont bien cohérentes, on va aller dans Options, Stat, Distribution, Binomiale, on prend BCD et on va tester avec 24, 50, 0,63. Donc là on voit que l'on n'a pas dépassé 2,5%. Et si on met 25, on a dépassé les 2,5%. Conclusion, l'intervalle de fluctuation centré au seuil de 95% est l'intervalle 25 38. Voilà, à bientôt.